l'inauguration du plus grand ouvrage d'infrastructure rurale qui a été réalisé dans ce pays sur les 30 dernières années. Donc je voudrais brièvement rappeler qu'au début de Winner, lorsque nous sommes arrivés en 2009, ce système d'irrigation était pratiquement abandonné. Il fallait tout le temps construire des digues pour permettre à l'eau de rentrer dans le système, et ces digues devaient être détruites chaque fois qu'il y avait beaucoup de pluie ou des tempêtes, et on devait donc constamment recommencer et les reconstruire après. Donc c'était un système qui n'était pas durable. À partir du moment où Winner devait partir, eh bien, il n'y avait plus de garantie que l'eau allait rentrer, sauf si on construisait quelque chose de définitif, capable de résister à tous les cyclones, non seulement d'irriguer, mais aussi de protéger les populations contre les inondations. C'est ainsi que nous avons entamé en mai 2014 la construction d'un barrage permanent, capable de fournir de l'eau à 8500 hectares, c'est-à-dire 7000 carreaux, et dans l'immédiat, il y a 12 000 planteurs qui vont en bénéficier. Et ce barrage et les structures en amont ont été calculés pour résister à des cyclones qui sont deux fois plus forts que Sandy, par exemple, qui avait détruit énormément de choses ici il y a 3 ans. Donc c'est un barrage de 450 mètres, fait de ce qu'on appelle de pales planches. Les pales planches sont des tôles en acier qui sont enfoncées jusqu'à 9 mètres de profondeur. Et en amont, nous avons construit donc 8 épis, ce qu'on appelle des épis, c'est-à-dire 4 petits barrages en quelque sorte, sur chaque rive, pour canaliser l'eau vers le milieu, ralentir la vitesse et protéger aussi les berges, parce que ces berges ont été érodées avec le temps, puisque le barrage, l'ancien barrage du bassin général, se trouve exactement là où nous sommes, et à l'époque, la rivière avait seulement 70 mètres de large, et en 40 ans, elle est passée de 70 mètres à 400 mètres. C'est pour vous dire les dégâts que l'érosion a commis au cours des dernières années. Donc, à partir du barrage, et nous allons le voir tout à l'heure, l'eau est dirigée vers des portes. Ces portes permettent de contrôler l'entrée, n'est-ce pas, de l'eau vers le système d'irrigation et en même temps de protéger contre les inondations parce qu'on peut les fermer et empêcher que l'eau rentre et toute l'eau à ce moment-là est retournée vers la rivière. Barrage ça construit et reconstruit pour Pipiti 3 fois déjà. Et par manque de responsabilité à engagement, les disparaît. Système non gagné, des gros parties. Gestion et entretien barrage là, et ouvrage, canal, porte, admission de l'eau dans le système là, tirage bassin sédiment yo, qui sous compte ministère de l'agriculture et DDAO. Entretien canal irrigation yo, distribution de l'eau et collecte redevance yo, qui sous compte AIRG, qui c'est association irrigant rivière grise là. AIRG gain 3 niveaux responsabilité. Comité exécutif là, qui a dirigé association. Comité secteur et comité habitation yo, pour AIRG faire travail yo, li gain yon secrétariat et li engagé 30 chefs canal, 6 syndic et 3 vanniers. Haïti, pays essentiellement agricole. Son réalité, mais li gon tendance tourner en slogan. Pour ça que li gon tendance tourner en slogan, l'on regarde 550 000 hectares de terre et seulement 100 000 hectares dotés d'un système d'irrigation adéquat. Ça qui veut dire que tout le reste là dépend de la pluie. Et nous connaissons qu'avec le problème climatique actuel, on n'est pas capable de prévoir la saison avec autant de précision que longtemps. Parce que nous vivons des problèmes de changement climatique qui sont réalité. Moi-même, en tant que ministre, moi j'étais ministre environnement, qu'on est ministre agriculture, moi qui a dit que président de la République, et pas plus tard que hier, le premier ministre là,
renouveler l'instruction. Ils ont dit nous-mêmes ministres, pas de parler en pile encore, pas de parler en pile qui pour fête. Son seul bagage, ils ont nous. Le peuple a besoin de sécurité, il a besoin de l'école, il a besoin de santé, il a besoin de manger. Pas de parler en pile et job, moi, président Dim, faut que le peuple a mangé. Actuellement, nous là, nous avons constaté un exemple de sa instruction, président Baye. Nous avons gardé le travail qui fait sur Rivière Grise. Là, nous avons pris Rivière Grise qui était une étendue de 70 mètres, qu'on est arrivé à 400 mètres à cause de toute catastrophe. Il faut que nous disciplinions de l'eau, il faut que nous canalisions. Et, qu'on est là, calte qu'aucun chaîne projet ça. Pour elle permettre d'irriguer 8 500 hectares de terre. Secteur privé, associez-vous à ces paysans. Aidez-les à avoir des meilleurs outils. Aidez-les à avoir les meilleures débouches. Nous avons besoin de vous, le secteur privé. Si ce n'est pas un projet de gouvernement américain, c'est un projet américain-ancien. On n'aurait pas pu le réaliser sans la volonté et l'implication de le gouvernement haïtien. Et sur le long terme, vous êtes le facteur déterminant de vrai succès. Ne laissez pas tomber ces fermiers. Les roux travailleurs, les fermiers, ils sont la base de tout de bon ici en Haïti. C'est eux, on compte sur vous, les fermiers. Aidez USAID Winner. Bon boulot, bon bagage. Vous avez fait exactement ça que j'adore voir le gouvernement américain accomplir. Cette ouvre peut transformer, vraiment transformer la vie de centaines de milliers de personnes. Et c'est vraiment ça que nous devrions toujours rechercher, transformer. Lorsque nous finalisons un projet, nous devrions partir avec la conviction que la vie des gens sera meilleure à partir de cet instant. Et c'est exactement ça que vous avez accompli ici. Pour finir, président Matali, merci pour être venu aujourd'hui. Votre présence rend toujours un événement plus excitant. Je pense que ce projet reflète exactement votre pensée. Le support de votre gouvernement pour ce projet était remarquable. Je sais que vous rêvez toujours d'un Haïti sans pauvreté. Un Haïti où tout un chacun peut vivre dignement. Cette construction peut vous aider à réaliser cet rêve. C'est une très belle journée. Le barrage est magnifique. Le président est là. Moi, je suis contente. C'est un très bon bagaille. Félicitations à tous et toutes. Barrage ça pour améliorer les conditions de la vie monde dans plein du cul-de-sac. Mais au-delà de plein du cul-de-sac, il pourrait protéger la vie monde dans toute zone tabac. Cité Soleil, parce que barrage là pour canaliser de l'eau pour ne pas faire des dégâts. Merci en pile, ambassadeur. Merci en pile, peuple américain. Et grand pile monde qui a demandé qui j'aime faire premier ministre. Ma profite de pour ça. Raison, c'est parce que le président Matéli choisit. Deuxième, c'est parce que m'accepter. Pour qui ça m'accepter? M'accepter parce que moi, gon travail qui t'est commencé fait. Et moi grandi dans la cour Plétil, moi grandi dans la cour Combite. Combite la vle dit, les gon moun qui commencé font bon travail ou vinn courrel ou vinn bay les bras. Et pas ça militant yo. Et ben nous bay les bras pour nous faire bay yo. Merci en pile. Non. Merci en pile. Je dis à nos papes dit à bas, n'a pas dit vive. N'a pas dit vive tout ça qui est bon. N'a pas dit vive tout j'ai fort cap fait.
pour améliorer condition la vie moun. Gagné 7000 carottes qui pral irriguer. Monsieur estime sont expliquer ça. Chaque année pral capable gagner 3 récoltes. Année ça avec barrage ça qui inauguré, nous pral sauver récolte poire. Nous connaissons, on a parlé de problèmes. Premier problème nous, c'est revenu, c'est l'argent pour entrer dans poche nous. Moyen pour l'argent entrer dans poche nous, c'est production, faut que nous produisions. Pour nous produire, faut que nous organiser. Pour nous organiser, faut qu'un gouvernement qui pense pour nous, faut qu'un gouvernement qui prenne initiative pour nous. Semaine ça, il y a deux gros projets qui fait parler de eux. Premier, c'est la Tibonite 4C. Contrat signé dans primature lundi. Pendant que l'autre événement qui t'a fait, gouvernement t'a travaillé. La Tibonite 4C, c'est un projet qui m'a connu irrigation avec électrification. Pral gagner environ 3500 hectares qui irriguent, ça veut dire qui ousent, qui pral permettre nous augmenter production agricole dans la Tibonite. Pral gagner 56 mégawatts courant en plus. Nous connaissons sa courant vle di dans la vie moun. Cependant, son projet qui pral fait dans 42 mois environ, ou ta capable di, moi-même, moi, premier ministre, pour un petit bout de temps, président Matéli, mandat pral fini, nous pas penser à projet cap fini dans 42 mois. Mais comprenne, l'MDE dit qu'il y a deux missions. Première mission, c'est faire élection. Deuxième mission, c'est assurer la continuité de l'État. Continuité de l'État, vous voulez dire qui ça? Continuer ça que tu as commencé à faire, mais initier tout ça qui est bon pour le pays. C'est un grand plaisir pour moi de tourner la matin pour moi, projet qui concrétise. Jean yo dit déjà là 9 mois de zande là pour lancer projet ça. Et je dis me veux féliciter et remercier tout le monde qui était impliqué yo dans rendre en réalité. Premièrement, peuple américain, gouvernement américain qui à travers USAID, à travers Dynamis, ambassadeur identifié avec l'État haïtien projet ça puis été fait pour changer conditions vie paysan pas bon ici. Je dis nous merci madame ambassadeur directeur USAID peuple américain parce que Haïti recevoir en pile aide mais on pas toujours côté aide la passer. Haïti recevoir en pile aide des fois c'est pas ça que nous besoin que yo ban nous. Ça, c'est le modèle là, modèle qu'on a besoin. Ça, on peut évaluer le chiffre, on peut évaluer sous chaque paysan, planteur qui prend le travail à la terre là. Les gens qui ont la pote pour eux. Il y a près de 30% dans la terre qui peut cultiver. Mais je ne pense pas que ces bonnes attitudes là, que nous gagnons nous-mêmes haïtiens, souvent accuser l'État, souvent nous demander de travail, souvent nous dit la vie chère, vous dire nous gagnons sans besoin pour nous travailler, nous gagnons de l'eau, terre à la, et gagnons monde qui plutôt campé dans la rue à regarder qui pas travaille. Il ne faut pas toujours dans l'État, nous-mêmes nous faut impliquer nous. Jean, directeur projet Abdil Daleur, au monde qui travaille à la terre et qui utilise bonne technique, l'a fait plus cob que au monde qui travaille dans factory. Et laisse ça ou mettre business ou mettre tête ou gain au repas ou vinn entrepreneur ou ka commencer petit ou vinn gros. Kounyan c'est vrai à travers ministère agriculture fann vrai encadrement. C'est vrai pour gain programme qui monte pour gain accès au crédit. Mais il faut commencer par exister pour que le crédit vienne vers nous. Il faut commencer par vouloir planter terre
pour que tout l'autre bagaille ça vienne joindre nous 30% dans terre qui pas planté, ça veut dire qu'il y a monde qui pas comprendre que l'air de qu'on dit Haïti est riche, c'est parce qu'on a produit et parce qu'on a travaillé. Projet ça son grand projet lié la ban nous de l'eau pour nous ca produire nous au travail. N'a pas ralenti importation yo parce que nous fait manger pas bon ici. Nous gain chance pour rentrer dollar un jour si n'a produit en pile nous arrive exporter. Pression gain sous l'argent ici l'argent américain good. Là nous ralenti importation yo, nous libérer l'argent qui ici a. Relèvement économique là. Il gain pile impact sur nous. En pile fois moun vle la vie a changé mais nous pas comprendre que fon gon attitude de travail tout. Il y a des moun qui pito chita tan transfert cap sorti l'autre bon dans pays étranger. Il y a moun qui pito al travail dans manifestation parce que manifestation des fois gen cop qui baye. Moi pense nous ka faire bon choix. Bon choix c'est travail pour être nous vinn des entrepreneurs. M'pa croire dans destruction nous ka arriver aucun côté. Un pays gain valeur, le peuple li gain valeur. C'est ça que fait nous-mêmes n'a travail pour nous bailler peuple la valeur. Nous travaillons pour nous voyer petit peuple à l'école gratis. N'a travail pour nous bailler peuple là de l'eau pour le produit. L'important pour nous protéger ça gain, protéger barrage là, protéger la rue là. Chaque fois nous brûler caoutchouc pour nous manifester, yo ouais nous, yo tendez nous. Mais nous commençons à écraser la route là tout. La route là commence à écraser. Un pays qui déjà pas gagné assez l'argent pour faire l'autre projet, ou va le gérer faire une route qui était là déjà. Pour qui ça? Parce que dans la manifestation, au lieu de nous exprimer, ça nous besoin. Au lieu de nous venir à des propositions, des fois c'est écraser, briser seulement. Dans un pays qui n'a pas grand pile moyen. Donc nous croyons que faut que nous-mêmes dans la population, nous ouais, bagayons l'autre gens. Parce que l'État a déjà un lot de gens. Je vous dis, mon PM n'a pas parlé de ça, nous signons un projet 4C. Qui veut dire qui ça? Qui veut dire 3500 carottes pour irriguer encore plus production nationale. 56 MW courant, courant à bon marché, courant qui est issu de barrage. Là, c'est un courant bon marché. Nous avons espoir que le courant va baisser. Même pour faire compétition dans son produit, il faut utiliser moins de scob. Pour qu'à compétitif sous marché. Projet nous gagne dans le nord-est là, côté que l'État haïtien fait un partenariat avec près de 3000 planteurs. L'État haïtien a mis à disposition planteurs 17 millions de dollars américains. 1000 carreaux terre pour planter bananes. Bananes n'ont planté déjà sous 300 carreaux. C'est mettre mon au travail, permettre de gagner. Cob dans travail là et puisque yo associé à l'état dans vente banane non yo même tout y a gagné dans profit a bien plus cob dans poche yo ça veut dire vous dire à l'état prend l'autre disposition pour le combattre la vie chère pour le combattre grand goût et pour le combattre pauvreté la misère donc vous dire à nous même tout nous gagne intérêt venir avec des projets intéressants qui veut dire monsieur la vie nous dans main nous destinée nous dans main nous vous dire l'état là nous tendait les moun yo parler nous tendait moun yo k'a parler de gaz mais nous connaît tout grand pile moun k'a dit faut gaz la baisser yo connaît que gaz là en Haïti c'est le moins cher dans région c'est pas ça yo dit dans radio parce que c'est pas ça y a géré c'est pas faire gaz k'a géré c'est à faire jeté matéli k'a géré mais gaz en Haïti c'est le moins cher dans région Haïti pas produit gaz s'acheter n'acheter gaz d'ailleurs, le gaz a été gagné pour le monter depuis en 2011. C'est parce que Matéli vini, il y a un tremblement de terre, il y a mon vivre dans la rue. Nous ne pouvons jamais monter le gaz pendant 3 ans. Il ne va jamais monter. Et ça te fait que nous avons Saint-Domingue vient faire gaz en Haïti. Donc, nous avons un pays qui n'a pas gagné quoi, ou qu'on a vendu l'autre pays gaz à meilleur marché. Et pour nous-mêmes, nous avons perdu l'argent. Nous n'avons pas fait de monter le gaz là. Nous acculons. On déficit de près de 20 milliards goud. Je veux dire, pour dire, je baisser encore. Donc, je vais mettre déficit pour nous. Là où est l'État, pas descendre, ce n'est pas un zoblot, nous camper. Nous ne pas camper un zoblot. Nous camper dans une position que nous protégeons le pays. Si c'est pour moi-même. Si je défends le mandat, je descends le gaz la net, je dis que le cabinet après à mourir. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça.
Si c'est pour madame dans m'a défendre pour me pas tomber, m'te gain droit. M'te gain droit descendre gaz là. Mais c'est pas faire madame m'a gérer. Bon depuis tout tomber et puis payer pas craser. Ça qui passe là. En l'aime tomber, on pas lever. En comme si m'tombe là, on pas lever. En comme si moun ki dans pays, on pas comprendre ça qui a passé. Affaire gaz là, nous pas rester même pas passeport à continuer. Que c'est américain meilleur. D'ailleurs nous, on semble américain tout. C'est le bagaille, moi même depuis un parti à l'islam, je dis qui ça me dit. Je suis pas américain. Je suis El Michel Matala. En tout cas, je ne vais pas faire une petite blague là. Parce que nous te connaissons comme qui a fait une blague depuis longtemps. Même dis-nous ça, pendant que l'islam a pris un paquet de bagages sérieux pour payer. Si je besoin de voir mater, li monter, ce n'est pas l'école gratis que je fais. Parce que l'école gratis que je ne peux pas jouer pendant vivant. Le résultat, c'est pour payer la paye et son résultat, c'est dans 30 ans. Résultat ça. Le tout petit monde, tu es à l'école et puis dans 25-30 ans, tu es agronome, tu es docteur, tu es ingénieur. Tu penses à l'autre, tu as une autre mentalité. Laisse Haïti commencer à refaire. Donc, je vais investir pour mater. Je vais investir pour Haïti. Et je vais souhaiter comprendre ça.